À toutes et à tous, je tiens tout d'abord à vous remercier du fond du cœur pour vos abonnements, vos messages d'encouragement qui me touchent profondément. Aujourd'hui, je vais procéder différemment car mes ressentis me guident vers une autre voie. Depuis quelques jours, je suis en communication avec les Indiennes d'Amérique. Je comprends que cela puisse paraître bizarre pour certains, mais depuis ma plus tendre enfance, je suis fascinée et en communication profonde avec ce peuple que l'on a exterminé dans la plus grande indifférence. Tard d'une partie de ma famille qui elle aussi a été déportée, tout ceci pour vous expliquer qu'aujourd'hui je vais vous délivrer des messages universels d'ordre spirituel en m'appuyant sur des oracles chamaniques. Ensuite, je vais vous délivrer sur l'insistance de mes guides les prédictions pour les futures élections que j'ai reçues il y a un peu plus d'un an. Je précise que je ne suis pas du tout intéressé par la politique et que je n'ai plus de télé chez moi, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe dans le monde, je vis dans ma bulle en tant qu'être humain et si je n'étais pas un canal, je vous avoue franchement que mes problèmes me suffiraient amplement. Seulement comme je reçois des messages et que par ailleurs j'avais été averti du virus six mois auparavant, je vous délivre donc mes ressentis, ne suivant aucun débat, donc indulgence si je commets des erreurs. Merci. Voici ce que mes guides me demandent de vous transmettre. La planète a besoin de votre amour, de votre optimisme pour guérir. Envoyez-lui chaque jour une pensée d'amour. Ami, vous vous êtes fourvoyé en pensant que l'argent à outrance allait faire votre bonheur. Recentrez-vous. Aimez vous les uns les autres, par-delà les préjugés, par-delà les différences, les... par-delà les castes. Préparez-vous au changement, mais ne vivez pas cette transformation comme un deuil. Vivez cette transformation comme une renaissance de vous même. Tout s'accélère dans le cosmos, le temps passe beaucoup plus vite et c'est normal. Vous vivez dans un monde de corruption, vous ne pouvez plus vous en sortir. C'est pour ça que nous, vos guides, volons à votre secours. Un monde est en train de mourir. Des âmes, beaucoup d'âmes, vont partir. Mais ne les pleurez pas, c'est pour leur bien et pour le bien de la planète. En 2019, vous êtes rentrés dans une prise de conscience mondiale. Certains l'ont appelée crise sanitaire, d'autres l'ont appelée la troisième guerre mondiale. Mettez-y le mot que vous voulez. Pour nous, c'est un éveil de pleine conscience. Ce moment a été salvateur. C'est un électrochoc pour vous faire prendre conscience du mal que vous vous faites les uns les autres au nom de croyances limitantes comme le pouvoir de l'argent, le pouvoir du sexe ou, ou la supériorité d'une race par rapport à une autre. Entendez nous bien, devant Dieu, vous êtes tous égaux. Dieu vous aime tous de la même façon, vous êtes ses enfants, vous êtes les enfants de terre Gaïa. C'est pour cela que l'on va vous aider à remettre de l'ordre dans toute cette corruption mondiale. En ce qui concerne la France, il va y avoir beaucoup de manifestations, de colère. Le peuple va aller chercher un homme bon, juste, loyal. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec tous ces gens corrompus. Impossible pour moi de savoir qui est cet homme. Ce que l'on me dit, par contre, c'est que notre président actuel va être réélu, mais que très rapidement il va être destitué de son poste. Une guerre civile ou une révolution va éclater mais n'ayez pas peur, ça ne va pas durer. Beaucoup de vérités vont éclater, beaucoup de magouilles vont être aussi mises en lumière. On m'annonce la naissance d'une sixième république qui va naître par la volonté du peuple. On me parle aussi d'un exode massif. On me dit qu'en 2027, toute l'Europe pensera ses plaies, restructurera ses frontières. Pendant un temps, nous allons revenir à une politique beaucoup plus stricte. Il va y avoir beaucoup de restrictions, beaucoup de sacrifices. En 2027, on m'annonce que Marion Maréchal va prendre les rênes de la France, mais il en sera de même pour les autres pays voisins. Nous devons réapprendre la discipline. Autant vous dire que pour moi qui suis verso en lune, donc anticonformiste, cela n'est pas une bonne nouvelle du tout. Néanmoins, je n'ai pas mon mot à dire. Dans cette canalisation, je dois rester neutre et terre et faire taire mon mental. Mes guides vous demandent de prendre du bon temps, de vous aimer, d'être doux avec vous même et surtout, surtout, ne prenez pas peur. Tout va bien se passer. La justice divine est à l'œuvre. Je ne suis pas là pour vous faire peur ou nourrir vos angoisses. Bien au contraire. Un homme averti en vaut deux. Préparez vous mentalement au changement. Croyez en un avenir meilleur. Gardons espoir. Espoir qu'un monde meilleur de paix et d'amour pour la planète, pour nos enfants. Surtout, n'ayez pas peur, ne nourrissez pas des angoisses inutiles. Faites confiance à l'univers, accrochez vos ceintures et tout ira pour le mieux. C'est juste un mauvais moment à passer. Les ancêtres sont avec nous, à nos côtés. Nous ne sommes pas seuls, n'ayez pas peur. Courbez le dos, faites comme le roseau, pliez, mais ne rompez pas. Maintenant, je vais vous transmettre des messages de personnes défuntes le premier message est de Marcel et Léon maître chez dans le sud de la France qui se présente en moi en tant que délégué je cite deux points les guillemets de la conférence des vieux cons abandonnés Marcel et Léon viennent à moi en beau gosse une raie bien marquée des cheveux gominés, une mèche côté droit, un tricot marcel des bretelles, un pantalon haute taille. Ils sont assis tous deux sur des chaises en fer forgé, ils tapent le carton, sous une véranda de vignes vierge. Ils font face à un immense vignoble. Ils vous disent ceci. Vous les jeunes, vous êtes absorbés par votre vie familiale, vos obligations. Il faut que tout soit carré, rangé, y compris les vieux, que l'on parque comme des bœufs dans les moirs. On n'est plus bon à rien, on nous visite une fois l'an, histoire de se donner bonne conscience, puis après vous nous pleurez et vous demandez en de rentrant en contact avec nous. Mais c'était de notre vivant qu'il fallait nous aimer, pas une fois absent. Vous vous êtes planté dans votre façon de gérer le monde, mais nous les anciens, nous avons aussi notre part de responsabilité, car on vous a laissé faire. Mais tout va changer, n'ayez crainte, nous sommes là, nous veillons sur vous. Et j'ai aussi un message de Joséphat et Carmen, deux mamans hyper-protectrices, qui passent, qui me disent de dire à leur famille qu'elles sont à côté de leurs filles et qu'elles les aiment, qu'elles les soutiennent, et que tout va s'arranger. Merci à vous tous. Merci à nos chers défunts pour tous ces messages. On vous aime. La première carte extraite de l'oracle du chaman mystique, je tire le monde du milieu numéro 36, 6 et 3, 9, la fin d'un cycle, le temps nécessaire de la gestation. Par ailleurs, cette carte est très intéressante car si vous la regardez bien, vous vous apercevrez que cet arbre, au lieu d'être libre et d'oxygéner la planète, est seul et renfermé dans une bulle qui peut être une bulle de pollution. Ces racines apparentes me font penser aux cinq continents qui émergent de dessous de la terre, comme si le monde entier se mettait au diapason pour une marche forcée. On peut voir aussi six corbeaux, six messagers, renfermés eux aussi dans cette bulle, une bulle prête à exploser pour redonner vie à cet arbre, qui peut, selon moi, représenter la nation. On peut observer un arbre, enfermé dans une bulle de protection, avec des racines qui peuvent nous connecter, bien sûr, à notre terre Gaïa, mais aussi à nos ancêtres le monde du milieu est le royaume de la réalité quotidienne le terrain de jeu des vivants c'est le moment présent l'endroit où tout arrive pourtant le monde du milieu est créé par l'avenir pas seulement par le passé c'est un miroir des royaumes invisibles quand les choses vont bien dans le monde du milieu le ciel et la terre supportent tout quand ils ne fonctionne pas correctement le ciel et la terre doivent aussi être remis en état. Cette carte apparaît pour nous dire que les conditions sont favorables à notre entreprise. Donc n'hésitez pas, avancez car le ciel et la terre vous sourient. Le moment est venu, profitez de l'occasion. Assurez-vous de ne pas être trop téméraire toutefois. Le monde est votre terrain de jeu et ce qui aurait pu nécessiter de grands efforts à tout autre moment peut maintenant être accompli très facilement. N'essayez pas de corriger sur terre ce qui doit être corrigé dans les cieux les ressources pour soutenir le changement ou l'effort que vous envisagez de faire ne sont pas encore disponibles pour vous. Par contre, il vous est conseillé de demander de l'aide auprès des royaumes invisibles et des guides qui se trouvent dans le monde d'en haut. Mais pour le moment, vous devez attendre, attendre le timing divin. La deuxième carte tirée est extraite de l'oracle La sagesse des royaumes cachés de Colette Baron Ride aux éditions Exergue. Qu'est-ce que nous dit cette carte elle s'appelle La Vue d'Ensemble aide angélique. Le roi aigle constitue un signe que votre destin ultime est à portée de la main. Vous êtes sur la bonne voie en ce moment, même si vous ne voyez pas où vous allez. Le roi aigle s'élève haut au-dessus des montagnes et des vallées lorsque vous semblez être perdu dans la brume. Il est un formidable allié car il élève vos prières vers le soleil et les relâche au divin. Elles seront ainsi exaucées pour le plus grand bien de tous. C'est un heureux présage quand le roi aigle décide d'être votre allié. J'ai aussi un autre message à vous délivrer qui relève de ma canalisation. Je ressens depuis quelques jours, comme je vous le disais, des ancêtres indiens et on me dit que une partie de la Californie va être amenée à disparaître. On m'envoie un incendie et peut-être même un tremblement de terre, mais il va y avoir quelque chose d'assez violent concernant la Californie. Le troisième message est issu. Du jeu des messages de Jésus de Dorine Virtueux. La carte nous dit L'esprit saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Message extrait de l'Évangile selon Saint Jean. Le message suivant est extrait de l'Oracle Native American Oracle Cards aux éditions Lo Scarabeo. J'ai tiré la carte numéro. 20. Qui correspond à Tirawa et le bison cosmique. Tirawa est le gardien du bison cosmique. Il nous dit que chacun de ses sabots marque le rythme de chacune des quatre R, et il continue à avancer jusqu'à ce qu'il soit complètement usé. Quand il ne restera plus rien du dernier sabot, le monde entrera dans une phase de destruction de laquelle il émergera seulement avec la renaissance du bison. Cette carte représente donc le cycle de vie qui prévoit un moment pour chaque chose, l'achèvement, la renaissance, la fin d'un cycle, la renaissance d'un autre cycle. Donc Tirawa vient ici souligner les prédictions que j'ai canalisées pour vous, mais j'insiste sur le fait que ce ne sont que des canalisations et qu'à aucun moment je ne détiens la vérité. Pour le cinquième message de Flavia Kate Peters, j'ai tiré la carte Bonheur. Cette carte... Vous invite à vous adonner à ce que vous aimez, à vous faire plaisir de n'importe quelle façon. Elle vous demande aussi de vous concentrer sur le positif, de sourire à la vie, d'élever votre taux vibratoire. Cette carte vous invite à effectuer un rituel le dimanche du premier quartier de la lune. On vous demande de placer une pierre calcédoine à l'intérieur d'une boîte. D'y enfermer un objet et de demander à ce que le bonheur vienne à vous. Imaginez que cette boîte renferme votre bonheur. La sixième carte est tirée de l'oracle de guérison du cœur amérindien. Ce sont 42 mandalas sacrés pour élever votre vibration, de Melanie Ware. J'ai tiré la carte numéro 29, la pleine lune, qui nous parle de concrétisation, de réécriture de notre histoire et de modification de la conscience. La carte actuelle nous guide pour alléger les fardeaux et tout ce qui devient obsolète. Les humains sont des créatures d'habitude et avec le temps l'humanité s'est accoutumée à véhiculer des histoires, des croyances, des peurs, dont certaines deviennent des bagages indésirables inutiles. Pendant des périodes d'apprentissage accélérées, accompagnées d'une évolution de la conscience, nous créons de nouvelles façons d'être au sein du soi physique et pouvons juger nécessaire de tirer un trait sur des aspects de notre ancien poids. Depuis des lustres, les hommes au nord célèbrent la pleine lune et la lumière qu'elle apporte dans leur vie. La carte actuelle rappelle l'importance de célébrer le voyage appelé vie et de laisser derrière tout ce qui vous retient. Autorisez les ailes de la libellule à ramener toutes choses que vous avez libérées dans le clair de lune, là où la vieille mère tortue les transporte jusqu'aux sœurs du ciel. Nocturne. Le dessin indique un temps de danse et de célébration alors que vous progressez, les pieds plus légers. Votre connexion avec la terre s'approfondit, l'amour de soi et de votre esprit étant la relation infinie que vous partagez avec votre cœur et celui de tout ce qui existe. Je vous délivre ici la méditation à faire lors de la pleine lune si le cœur vous en dit. Dans la mesure du possible, créez un espace sacré à l'extérieur. A cette fin, ornez l'endroit de magnifiques objets que vous choisirez et qui ravissent votre cœur. Dans mon cas, ce sont des fleurs, des cristaux, des plumes, des galets et des bougies. Peut-être souhaiterez-vous aller vous promener et ramasser des choses dans la nature. Avec celle que vous avez choisie, créez un cercle assez grand pour y tenir debout. Placez le mandala de la pleine lune après avoir utilisé une boussole pour indiquer les quatre directions, puis adressez une liste de tout ce que vous souhaitez laisser partir à votre soi supérieur et aux, grandes êtres et aux grands êtres de lumière. Continuez à inscrire les aspects à libérer jusqu'à atteindre un havre de paix. Vous pouvez aussi noter comment vous avez l'intention d'avancer à partir d'ici. N'oubliez pas de terminer la lettre par des remerciements. Prenez-la, puis sortez de votre cercle, tenez vos écrits sur votre cœur et entrez dans le cercle à partir de l'Est. Placez-les en son centre, prenez le temps de ressentir les émotions issues de ce détachement et de leurs bienfaits, pouvant revêtir des formes de joie, de soulagement, de tristesse ou de confiance. Si vous souhaitez brûler votre lettre, la fumée sacrée renverra tout ce que vous avez libéré vers l'univers. Après avoir terminé votre cérémonie de libération, sortez de votre cercle en direction de l'Ouest.